Bonjour. Maurice Alcindor, le père, l'artiste, l'ami. Un ancien qui meurt est une bibliothèque qui brûle, Amadou Ampatéba. Notre père, Maurice Alcindor, était cela, curieux et cultivé. Il nous a transmis son amour de la lecture. C'était un père sévèrement juste, qui nous a inculqué des valeurs morales, valeurs qui nous ont permis de grandir et de construire notre vie. Il nous a légué cet amour de la musique. Tous les dimanches, il écoutait ses vinyles, se réveillant avec le jazz, un petit déjeuner en biguine et mazurka, un détour chez Maurice Chevalier, son modèle, sans oublier Henri Salvador, son inspiration, avant d'aller prendre l'apéro chez Aznavour et Sammy Davis Jr. et déjeuner bien sûr avec Edith Piaf et Celia Cruz. Il aimait son pays, Martinique. Il ne dérogeait jamais aux fêtes traditionnelles. Noël avec une table remplie de mets typiquement martiniquais. Donc, paténi caviar, paténi d'Inde, paténi saumon, paténi sebagaïta là. Chez nous, c'était du local, rien du local. Carnaval, nous étions habillés en fonction du jour et descendions en famille regarder les défilés. Et je me souviens que quand les vidés malpropres, parce que ça a toujours existé, passaient, ils nous disaient « fermez yeux, tout n'était tout, pas gardé. » À Pâques, le crabe était purgé, nourri, pour être dégusté à la plage et assez souvent, c'était au Diamant, le lundi de Pâques.
Et il nous prenait chacun à notre tour sur son dos. Il allait là où il avait papier. Il nous plongeait, nous remettait sur son dos et on retournait sur la plage. Voilà, c'est ça, c'était papa. Je ne parlerai pas du mari qu'il a été. Ce n'est pas mon rôle. Mais je dirais que leur union durait plus d'un demi-siècle. 65 ans, plus exactement. Dodo pour les copains et Momo pour les copines. Une signature inoubliable et un rire comiquement extravagant. Abraham Lincoln a dit, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie. C'est la vie qu'il y a eu dans les années. Ti chimaya, yo kouye l'amoua. Piti, 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 nous toute la kaye passe. Piti, 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 faut nous passer quand même. Papa, merci. Merci à vous. Dodo, du bout devant la porte là, il ka konyen toi kou en didant cheli. Dodo, du bout devant la porte là. Ouvè souple, oh bon Dieu, entrez dans ta maison sans pierre, où selon ton désir me conduise mes pas. Tu es la seule demeure sur terre qui n'ait besoin de mur, de fenêtre et de toit. Dodo est là devant ta porte. Et il frappe tout à coup dans son cœur. Dodo est là devant ta porte. Ouvre-lui, oh Seigneur. Ouvrir mes yeux à ta lumière, la laisser m'envahir et m'allumer de joie. Tu es le seul feu de la terre, toujours prêt à brûler. Pour tous ceux qui ont froid. Dodo, du bout, devant la porte là. I ka konyen toi kou en didant cheli. Dodo, du bout, devant la porte là, ouvè souple, oh bon Dieu. Tu es la seule patrie au monde, le pays sans drapeau, ni frontières, ni blason. Bâti
de joie et de lumière. Oui, le voici, Seigneur, au seuil de sa maison. Dodo, d'où bout, d'ouvrant la porte là, il ka konyen tou a kou an dit an cheli. Dodo, d'où bout, d'ouvrant la porte là, ouvert souple. Oh, bon repartir dans l'espérance. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Une croix est là. Cette croix nous rappelle l'amour de Dieu. Qu'elle soit à nos yeux le signe de l'amour du bon Dieu, de Jésus, pour Maurice Alcindor et pour chacun d'entre nous. Tournons-nous vers le Christ avec confiance pour nous-mêmes, pour Maurice, pour chacun d'entre nous. Il est le Seigneur de la vie. Il est venu dans le monde pour partager nos pardon. Nous vers lui, d'un cœur confiant. Seigneur, pardonne-nous.
prions le Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, pour que nous y trouvions la lumière dans notre tristesse et la certitude dans nos doutes et la force de vivre cette heure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Parole du Seigneur. Thank you.
Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, un troisième un seul talent. À chacun, selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir. Il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha. Il présenta 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Dodor, debout devant la porte là. C'est bien ce que tu as chanté, Gertrude, tout à l'heure. Alors, s'il est debout devant la porte en ce moment, de ciel, c'est que les anges et les saints sont en train de préparer le podium, parce que Yoja savent que les qui arrivent en ciel là, ils vont pas s'ennuyer. Ils vont pas s'ennuyer, et il y aura toujours de temps en temps une petite plaisanterie, si j'en crois ce que nous savons tous de Maurice Alcindor, même si Béatrice nous a dit que c'est un père carré, je n'en doute pas un instant, mais je ne doute pas un instant non plus, et nous le savons tous, nous avons tous fait l'expérience de sa capacité à plaisanter. Donc au ciel, au soir, il y a qu'il a fait, il y a un podium, et puis musique, et puis sketch. Ils ont tout cadre. Toute la Martinique sera dedans. Parce que un artiste, et Béatrice, tu as dit au début de ton témoignage qu'on dit que quand une grande personne décède, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est la Martinique qui est mise en terre aujourd'hui. Mise en terre, alors j'avais le choix entre deux textes ce matin. Et j'étais heureux d'entendre la chorale chanter « Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir ». J'ai le choix au texte des talents. Les talents, pour un artiste, bien sûr, n'est-ce pas Olivier, aumônier des artistes, il est passé où, je ne sais pas, il était là. Un artiste, c'est quelqu'un qui a un talent
et qui le met au service des autres. Donc il le fait fructifier, comme ces hommes qu'on a vus, on leur a donné 5 talents. Évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas mis en terre son talent. Mais l'autre texte, c'est le texte justement du grain de blé, où Jésus dit, le grain de blé doit accepter de mourir pour porter du fruit. Le premier texte nous tourne vers le passé, d'une certaine façon. Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mort d'un homme, c'est sa vie. Sa vie dont nous avons tous bénéficié, sa vie qui est rentrée en plein dans nos cœurs. Dès que j'embêtais mon papa ou ma maman, mon papa se met à chanter tout de suite « Asumonyeo, Asumacheo, Asugadeo, Asudesio, Manjawe ou bien malin ». Et qui a chanté cela, évidemment? Pas question d'acheter une voiture nouvelle dans la maison sans chanter « Mani en l'autonef, moins qu'à connaître ». Évidemment. Donc c'est un artiste et la parabole des talents m'a permis de méditer sur le fait de ce que dit Jésus, que chaque homme a en lui des talents. Chaque Martiniquais, et c'est là notre rêve, et le départ de Maurice Alcindor nous le rappelle. Un homme comme tous les autres, un père de famille, grand-père, arrière-grand-père, un homme qui a fait, il expliquait dans un reportage, je regardais ça l'autre jour, toutes sortes de métiers. Il a aussi travaillé, bien sûr, je crois, à l'Éducation nationale, si je ne me trompe. Mais elle a travaillé, il a fait toutes sortes de métiers, un débrouillard, quoi, un gars qui est un Martiniquais, quoi. Et son talent nous a tous nourris. Mais ce qui est vrai pour Maurice est vrai pour chacun des Martiniquais qui naissent en ce monde, et chacun des hommes, des êtres humains, enfin c'est Martinique nouillé, c'est Martinique nous rappelé. Si chaque jeune, chaque ancien, quelle que soit sa situation, chaque homme, chaque femme, à cette conviction, à l'occasion, à l'opportunité de déployer ses talents pour notre terre et pour le monde entier d'ailleurs. Mais c'est ça la réussite. Et cette réussite, c'est celle de l'amour. Tu l'as chanté aussi, Jean-Tout. Hein, cette réussite, c'est celle de l'amour d'une famille, l'amour d'un peuple autour de nous. Il y a un autre proverbe africain qu'il faudrait citer pour éduquer. Un enfant, un être humain, il faut tout un village. Il faut tout un village et il faut toute une Martinique pour dire à chacun d'entre nous, et les plus talentueux parmi nous, mais tout le monde a des talents justement. C'est ça l'idée de la parabole que l'on vient d'entendre. On n'a pas forcément tous 5 talents, certains n'ont que 2 ou 1, mais chacun est amené non pas à enfouir son talent, à le cacher. La tristesse que nous vivons en ce moment, c'est quoi? C'est que tant de jeunes... c'est pas de leur faute forcément, ont enfoui leurs talents. Nous n'avons pas réussi à faire fructifier les talents de tous et de chacun. Or, voilà que le message que me laisse, en tout cas, que je voudrais déployer ce matin à travers Maurice Alcindor, c'est un homme qui, jusque dans son grand âge et très grand âge, a déployé tous ses talents, tout ce qu'il savait faire, tout ce qu'il avait dans son cœur et dans ses tripes, malgré certainement ses limites, ses fautes ou ses faiblesses, a réussi à déployer son talent et nous en avons bénéficié. Nous bénéficié ou nous en avons été bénis. Voilà le premier enseignement. C'est l'enseignement, d'une certaine façon, du passé, mais l'enseignement du futur est un peu le même. L'autre texte qu'on a chanté avec la chorale, donc le texte du grain de blé, c'est qu'un talent, un homme qui est mis en terre aujourd'hui, nous tourne vers l'avenir. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous. Pour Joël, Mirella, Béatrice, Maurice, Marceau. Pour vous tous de la famille et amis, et tous les Martiniquais, que ferons-nous de la vie d'un artiste, d'un de nos frères, lequel d'entre nous n'avait pas envie de passer une bonne soirée ou d'aller prendre un moment avec Maurice Alcindor. Que ferons-nous de cette âme martiniquaise que nous recevons encore une fois aujourd'hui en héritage? Je vois en face marqué le collège Aimé Césaire. Je ne dis pas que pour vous faire plaisir, monsieur le maire, monsieur le président, mais à nous tous, tous ces grands hommes, c'est quoi un grand homme, une grande femme? C'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de son talent. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi aux yeux des autres,
y en a tellement qui sont inconnus, mais c'est cet héritage-là, sans peur ni crainte, avec la bénédiction de ceux qui nous entourent, de nos pères, la bénédiction de nos pères dans les deux orthographes, de nos anciens, mais aussi de ceux qui sont comme nous, mais de nos fils, de nos filles, de nos frères, ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de ce que chacun d'entre nous est et de ce que nous sommes tous ensemble. Mamaïla, nous marrer à l'heure actuelle. Et Bukta a été démarré, on l'avait désattaché. Il y a trop d'hommes et de femmes parmi nous qui marraient. Recevons l'héritage de cette liberté, de la corde que l'on arrache pour libérer nos talents, nos qualités, nos compétences, nos charismes, dans l'Église aussi. Voilà, moi, l'héritage que je reçois de ce grain de blé qu'on met en terre aujourd'hui, c'est le fruit du « en nous aller », le fruit du « allons-y », n'ayons pas peur. Peur de quoi? De toutes les façons, on est trop petit face à ce monde, de toutes les façons. Donc je sais que Ravet par Hamani raison dire mon poule, mais on est encore plus petit que le Ravet, nous, dans le monde. Raison le plus pour ne pas avoir peur, parce que ce que nous sommes, nous pouvons le porter au monde, pas simplement les uns aux autres au monde. Moi, je reçois un surplus d'énergie par le départ de Maurice Alcindor, la joie, les sourires, les moments aussi où je l'ai rencontré, où j'avais une petite amitié quand même. Je sentais beaucoup d'amitié pour moi et beaucoup d'entre nous pouvons témoigner, c'était tellement réciproque. Mais je reçois une énergie terrible, j'espère que vous la ressentez au-delà, et ce n'empêche pas la tristesse du départ, mais une énergie très forte de quelqu'un qui nous donne un message. Et au cœur de tout cela, il y a le Christ, il y a Dieu. C'est un don de Dieu. Chaque homme est un don de Dieu. Maurice Alcindor est un don de Dieu. Mais chacun d'entre nous, on ne peut pas, si on regarde bien tout ce que je viens de vous dire, comprendre vraiment que chaque homme a un talent si on ne comprend pas que ce talent lui a été remis par justement ce maître, c'est celui qui nous aime et qui nous a tous confié des talents. Et le grain de blé ne porte pas de fruit si la foi, l'espérance dans la résurrection, ça ne sert à rien de fructifier si on ne croit pas en la vie et l'auteur de la vie qui est le Seigneur. C'est pour cela que, certes ce matin, une grande tristesse, le départ de Dodo, pour les copains, Dodor plutôt, c'est marqué Dodo là, mais c'est Dodor, il manque le R, c'est pour ça. Mais Momo, pour les copines, disait-il, est une tristesse, un moment d'émotion, un moment de force aussi, nous qu'arriver avec notre sourire, avec notre façon qu'incarnait Maurice Alcindor de prendre de la distance par rapport aux situations, aux difficultés, d'avoir de l'humour sur nous-mêmes, que nous sortions de cette voie, soit de la résignation, soit de la révolte, mais pour entrer dans une troisième voie, celle de l'amour, de l'humour, de la construction, de la joie en fait. Moi, voilà ce que je reçois. Et c'est pour moi aussi un instant de foi. Je le dis aux plus jeunes, aux plus anciens, à chacun d'entre nous. Si nous ne croyons pas dans le Dieu qui a ressuscité, qui ressuscite les morts, qui est ressuscité au matin de Pâques, tout cela, c'est du vent et de la vanité. Mais si nous sommes tournés vers celui-là qui est vraiment mort et ressuscité pour nous, alors tout cela, c'est du solide, de la construction. À sous manière, à sous gader, à sous désir, à sous machéo, mon jaoué, Maurice, ou tout prie bon Dieu, nous qu'a prédié bao, prédié pour nous.
Avec confiance, nous nous tournons vers le bon Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité les morts, pour prier pour nous-mêmes, pour Maurice, pour nos familles, pour notre Martinique et le monde entier. Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, regarde avec tendresse notre frère Maurice qui vient de nous quitter. Accueille-le avec tous ceux que nous avons connus, aimés, et qui ont précédé auprès de toi. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Seigneur, nous te prions pour sa famille, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions le monde que notre frère Maurice souhaitait rendre meilleur. Il voulait que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres pour que la paix règne. Mets ta paix que Jésus a promis au cœur de chaque homme. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont connu notre frère Maurice dans la paroisse, au travail et dans les autres activités. Qu'ils ressentent aujourd'hui la peine de la séparation, aide-les à surmonter ce moment, toi qui vis dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous ceux qui nous ont précédés, Seigneur, vivent en toi. Ceux dont nous avons connu le visage, ceux qui ont reconnu ton visage avec l'immense cortège de tous les saints. C'est pour cela qu'en frères et sœurs, nous te prions avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, est venu de dire un dernier adieu à Maurice. On dit chez nous un enterrement. J'ai un ami prêtre qui préfère dire un enciellement. Nous allons nous séparer de notre frère, nous allons le quitter. C'est un moment de tristesse, bien sûr. Il faut que l'espérance en nous soit forte.
car nous espérons revoir Maurice quand Dieu nous réunira dans son royaume où il essuiera toute larme de nos yeux. Recueillons-nous en silence, en pensant à ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu avec Maurice, de Maurice. À ce qu'il est pour nous, pensons aussi à ce qu'il est pour Dieu. Signe de respect pour toi, Maurice, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. La foi dans le Christ, nous espérons et croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confions l'âme de Maurice et chacun d'entre nous à l'intercession de la Vierge Marie.
la messe de sortie, de deuil, est célébrée, sera célébrée le 14 mai à 17h30, ici même, je pense. Donc 14 mai à 17h30. Prions le Seigneur. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde maintenant avec bonté ton serviteur Maurice, notre frère. Pendant qu'il était au milieu de nous, il a cru au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans les gestes de paix, les signes d'amour que nous échangeons, évidemment, c'est cette paix du Christ et cette espérance que nous allons échanger. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Excusez-moi, s'il y a des gens pour porter les gerbes, s'il vous plaît.
dernier jour.
Je vais à l'intérieur là-bas. Il y a un livret là. Tu laisses là ça? Quoi, quoi,